Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux pour suivre cette émission qui a pour objectif de chasser de nos têtes la pauvreté. J'ai invité aujourd'hui un parmi mes remarquables amis avec lesquels j'anime profondeur, Norbert Yomba Yomba. Monsieur Norbert Yomba Yomba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour Monsieur Kibambi. Nous devons chasser la pauvreté, Norbert Yomba Yomba. Vous êtes d'accord avec moi. Partout où vous faites des consultances, je crois que vous êtes en train, dans la mesure de vos possibilités, d'essayer de chasser cette pauvreté. Elle est dans nos têtes. Vivant dans un pays, dans le pays le plus riche du monde, nous voyons les populations complètement désespérées, parlant politique, parlant musique à longueur de journée. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la musique, parce que ça aide à adoucir les mœurs. Mais comment pensez-vous qu'on puisse... Par où pensez-vous qu'on puisse commencer pour chasser la pauvreté dans laquelle nous voterons, Monsieur Norbert Yomba Yomba? Merci, merci Monsieur Kibambi pour cette question pertinente. Simplement parce que quand on regarde la situation de notre pays, on regarde la situation de l'Afrique de manière générale, on a l'impression que bon, la pauvreté est faite pour les Africains, de surcroît pour les Congolais. Lorsqu'on regarde les statistiques, c'est très clair que les Africains, de manière générale, on n'a pas encore dépassé, ne serait-ce que le seuil d'un dollar par habitant par jour. Quand vous regardez la province de Bandundu, c'est 25 dollars par an. Prenez les 25 dollars, divisez par 12 et vous prenez divisé par 30, vous saurez ce que cela représente par jour. À l'équateur, il y a tout, une superbe végétation, il y a des gibiers, il y a des poissons, compagnie, etc. Et donc, il y a des kwashiokorés. Il y a des kwashiokorés. La situation est grave, M. Kibambi. Certainement que, bon, ici, on est pris à se poser la question sur les transports. On est pris à se poser la question pour les enfants que nous envoyons à l'école. Peut-être que lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital et on sait ressentir les difficultés, mais on ne se pose pas la question. Quel est l'état de la situation, de manière générale, sur l'ensemble de notre pays? On approche 5 millions d'habitants, mais je dois vous avouer, d'après un certain nombre de statistiques, c'est très clair, j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce genre de choses, on est au-delà de 96 millions de pauvres dans notre pays. Et les 4%, c'est essentiellement de pauvres cachés. Hein, des pauvres cachés, des hommes qui sont des pauvres, mais qui sont cachés réellement parce qu'ils font tel ou tel petit travail, etc. Quand cela ne tienne, il faut dire que on n'a pas mis beaucoup de réflexion pour chasser la pauvreté dans notre pays. D'abord, regardez M. Guillaume. Nous faisons des débats. Coup de chapeau pour ce que vous faites de manière bénévole. On fait des débats ici chez nous. C'est la guéguerre, FCC, Cash, FCC, la Mouka, FCC, etc. Mais il n'y a pas un débat sur la pauvreté. Le débat sur la pauvreté porte sur des offres politiques. Qu'est-ce qu'on propose pour changer, pour résoudre la question de l'eau? Qu'est-ce qu'on propose pour résoudre la question de l'alimentation, la question de la santé, la question de l'éducation, la question des infrastructures, etc. Ces débats-là n'existent pas. C'est que ce n'est pas encore une préoccupation institutionnelle. Alors, entre-temps, la faiblesse et la paresse des institutions de la République par rapport à leur préoccupation, à leur finalité de finalité, qui est de chasser la pauvreté, écoute, ça retentit sur les citoyens. Et donc, on a créé une mentalité de facilité, une mentalité de complaisance.
où on oublie que la pauvreté ne peut être chassée que par les actions que nous menons, par les initiatives. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe et ce qui s'est toujours passé dans nos villages, en tout cas chez moi, c'est très clair, hein, pour qu'on soit appelé homme, il faudrait que vous ayez un toit, que vous puissiez vous marier, que vous puissiez avoir un chat, que vous ayez des enfants, et vous prenez la responsabilité de votre famille. C'est très important, M. Kibambi. Alors, maintenant, lorsqu'on est en ville, c'est très clair qu'il faut avoir un job, il faut avoir un travail. Et combien de jeunes ont du travail? Combien de jeunes ont leur propre toit ou maison, etc. Ça pose problème. Et donc, il se crée un sentiment de raccourci. Parce qu'on n'a pas du travail, parce qu'on ne prend pas l'initiative, parce qu'il y a l'immobilisme dans le cadre des institutions de la République, et donc chacun pour soi, Dieu pour tout. Et c'est comme ça que s'est développé des notions comme préso. Il suffit simplement qu'on connaisse M. Kibambi dans la rue tout de suite. Préso, président, président, président. Même quelqu'un qui est plus vieux que vous, il vous appelle grand frère, etc. Essentiellement parce qu'il faut sortir quelque chose. Alors, M. Kibambi, cela se résume à trois situations. Premièrement, la paresse s'est beaucoup installée chez nous. M. Kibambi, un prof nous disait toujours, ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas. C'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Osons. Et quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Faites quelque chose. Répétez-moi ce que vous a dit votre professeur, c'est intéressant pour que tout le monde retienne. Le prof nous disait, c'est un patriarche de l'université de Laval, il dit, ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas, c'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Osez, vous verrez que c'est facile. Il faut commencer par un premier pas. Même le voyage le plus long commence par le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Et Dieu a donné de l'intelligence dans le fait. Tout dans à fait. Le chef de tout le monde. Tout à fait. Et donc, on a perdu tous ces sentiments-là. Et vous allez voir, toujours dans cette paresse, vous êtes en train de travailler, M. Kibambi, vous avez un personnel, vous avez des charges, etc. Mais alors, maintenant, dans la famille, c'est parce que Kibambi est confortablement établi, qu'est-ce qu'on dit? C'est nous qui prions Dieu pour que Dieu vous donne, vous. Mais lui-même qui prie, il n'a pas. Mais ce qui m'a mis, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'économie de la religion. Une économie qui a tendance à placer la prière devant de la scène pour entendre véritablement l'accessoire au paradis. Or, ce qui nous a amené la prière, ils font le contraire. Ils font l'économie de la connaissance. Au lieu de faire l'économie de la religion. Il n'y a pas quelque chose qui peut se faire si on ne mène pas une action. Et il n'y a pas une action si on n'a pas la connaissance de ce qu'on fait. Même ce que vous êtes en train de faire comme entreprise de médias, M. Kibambi, si vous le faites et vous prenez le train en cours de route et vous n'avez aucune connaissance d'ABC du journalisme, vous risquez, certes, avoir des moyens, mais vous tomberez. Parce que, sincèrement, vous n'êtes pas outillé pour réussir quoi que ce soit. La paresse, c'est très important. Deuxième chose, M. Kibambi, c'est la facilité d'avoir des choses. Mm-hmm. Même quand on veut faire la politique, tout le monde a envie tout de suite d'être ministre, tout de suite d'être PDG. L'idée, en fait, parce qu'il y a l'argent. Et l'argent, facilement, on peut l'avoir parce qu'il n'y a pas de contrôle devant la porte. Et alors, cette facilité-là, qui enlève la mentalité des guerriers. Jamais une nation, M. Kibambi, ne peut se développer si on n'a pas un mental de guerrier. Le mental de guerrier, c'est quelqu'un qui a une subconscience avisée, avec un cerveau qui travaille et qui se pose toujours des questions. Qu'est-ce que je laisse comme trace dans ma vie? C'est très important. Et cette question-là, elle n'est pas véritablement de mise dans notre société. Et donc, on se met dans la facilité. Les politiques qui cherchent la facilité, c'est comme ça que vous voyez, après un mois, il a tendance à voir, parce que Kibambi a une chaîne de télévision, lui aussi achète, même si son salaire n'atteint pas les coûts d'acquisition, etc. Et puis troisième mois, parce que Kibambi travaille au cinquième niveau, lui, il doit prendre le sixième niveau, etc. Cette facilité-là. Et quand vous tombez
au niveau de renseignement, aller même à l'école, vous imaginez, les enseignants, même à l'université, bien entendu, les syllabus qui ont été rédigés, je ne sais pas, dans les années 70, ce sont les mêmes, les choses ont tellement changé, mais personne ne fait un effort, se concentrer par rapport, pour avoir la connaissance et l'immensité du savoir de ce qu'il lui fait. Est-ce que le problème ne provient pas du fait que nous avons tué les entreprises qui étaient Nova Chalet, il y avait la Jecamine, il y avait l'Onatra, il y avait la SNCC, il y avait les plantations dans le Bandundu, Pelzed, toutes ces entreprises auxquelles nous étions accrochés après les avoir tuées. Mais nous ne savons plus à quel sens se vouer. Il n'y a plus qu'une chose, la politique. C'est ça, M. Kibambi. Lorsqu'on est dirigeant d'un pays, quelle que soit la responsabilité, à quelque niveau que ce soit, il faut avoir une torche qui éclaire les chemins à parcourir. On appelle généralement ça le guidage, la boussole, etc. Si on n'a pas de boussole, on a difficile. Mais ce qui m'a mis, imaginez-vous, en 1960, nous avions 44% de recettes en devises sur le plan agricole. On avait plus de 169 sociétés agricoles. On avait plus de 180 sociétés forestières. L'économie était florissante. Je ne reviens pas sur les différentes statistiques qui ont existé, etc. Et donc, une fois arrivé à l'indépendance, et bien voilà, donc, on a assisté... On a assisté à un pillage systématique mais institutionnalisé. Au point où les quelques personnes qui trouvaient du travail pour avoir un salaire ne pouvaient pas. Mais M. Kibambi, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas développer un pays essentiellement avec des grandes entreprises. Il faut aussi une classe moyenne, des petites entreprises, ce qu'on appelle des PME, des petites et moyennes entreprises ou des petites et moyennes agricoles. Regardez, vous allez dans le Bas-Congo. Première observation, vous allez voir autant d'oranges produites, autant de mandarines, autant de papilles, autant de safou, autant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On amène ça à l'état brut. Il n'y a même pas une petite usine de transformation. Parce que lorsque on transforme l'orange en jus, vous aurez peut-être deux ou trois personnes qui vont trouver du travail. Et non seulement ça, quand on aura fini, par exemple, à Matadi, on va installer une antenne à Kassangoulou, à Kisanto, à Luozi, etc. Mais écoutez, donc c'est comme si les gens n'existaient pas. Prenez le cas, par exemple, du Maroc. Très clairement, le Maroc n'a que des phosphates. Et généralement, avec la mer, il y a du poisson. Mais quand vous êtes en Europe, dans tout ce pays européen, vous allez voir la sardine anis. On importe ça du Maroc. J'ai vu, M. Kibambi, quand j'étais au Cameroun, quelque part dans un restaurant, je vois la chikwang. Je dis, waouh, la chikwang ici. Et j'entre. Et vous savez comment c'est arrivé? Mais ce sont des Congolaises qui étaient en partance pour l'Europe et qui finalement se sont retrouvées sans financement à partir de Douala, et ils ont mis en place un système de production de la chikwang. Et ça a suscité l'intérêt d'un petit entrepreneur qui les a appelés et qui a fabriqué une technologie de production. Aujourd'hui, quand vous êtes à Paris, vous êtes, n'est-ce pas, à Bruxelles, et donc vous allez dans le marché, vous allez trouver de la chikwang importée du Cameroun, ce n'est pas du Congo. Mais vous me passez là l'occasion de vous proposer aussi autre chose. Vraiment, on a raté la chanson congolaise dans les années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Mais on en voulait, nous dominions toute l'Afrique avec notre chanson. Mais on n'a pas réussi à vendre ce produit-là. Tout à fait. La musique congolaise. Tout à fait. Tout à fait. La musique est une vocation, est un don de Dieu pour nous, qui aurait pu servir véritablement notre usine de production de devises. Mais malheureusement, la musique a pris l'autre face, une face de neutralisation, d'imbécilisation des citoyens.
C'est-à-dire qu'au lieu qu'on profite de la musique comme étant un outil pour véhiculer notre culture, véhiculer ce que nous représentons en termes de valeur intrinsèque. Et donc, la musique devient un outil qui, visiblement, nous pousse, parfois à des antivaleurs, nous pousse à des changements de comportement dans les sens de nivellement vers le bas, nous pousse à des changements d'attitude, mais à nous arracher véritablement, n'est-ce pas, la force des guerriers qui, véritablement, doit s'aligner dans les champs de bataille. Au point où ça commence même par les musiciens, vous savez, quand on vous chante, c'est facilement avoir un peu d'argent, on chante ceci, etc. Cette facilité s'est construite dans la société. Et pourtant, nous sommes des gens, nous sommes un peuple fier, un peuple même arrogant. Mais cette arrogance ne se justifie pas. L'arrogance, j'allais dire, l'orgueil. Oui, mais on peut positiver un défaut qui peut devenir véritablement un outil de boostage. Parce que imaginez-vous, quand l'autre fois, moi je me rappelle bien à l'époque du maréchal, on était avec nos amis rwandais, burundais qui étudiaient avec nous. Mais nous, même dans notre façon de parler, dans notre façon de faire, et puis bon, on se sentait supérieur. Et ils voulaient se faire congolais. Même les Sénégalais aujourd'hui qui font fureur, effectivement, tout un chacun, ils iraient que pour voir le Congo. Vous voyez. Et donc, c'est un esprit qu'il faut inoculer. Et cet esprit doit être partagé à la fois par les médias, par la musique, par le théâtre, par etc. Aujourd'hui, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit d'autres comédies, etc., sont orientés véritablement à construire une distraction dans les chefs de notre peuple. Et donc, on est distrait, on ne sait plus quelles sont les priorités qui sont les nôtres. Vous voyez. Et donc, regardez même, quand vous êtes à la maison, les gens connaissent par cœur les heures de diffusion de novelas, les heures de diffusion de tel groupe de théâtre. Mais jamais lorsque vous êtes avec les enfants, ils sont à l'université bien entendu, un débat de profondeur, vous êtes là, si vous n'avez qu'une seule télévision à la maison, ils préfèrent véritablement suivre une novelas qui vous laisse l'occasion véritablement de suivre profondeur. Vous voyez, c'était deux perditions, M. Kibambi, fait qu'aujourd'hui, la connaissance, parce que dans nos villages, il existait des écoles d'initiation, le palabre africain se faisait dans des cases. Les enfants étaient initiés pour comprendre quel est le savoir qui peut leur aider naturellement à pouvoir faire avancer les choses. Mais écoutez, les quelques émissions comme celle-ci, non seulement elles ne font pas l'objet de convoitise, non seulement les autorités aussi, parce qu'il faut voir les chaînes nationales, quelles sont les émissions, quels sont les programmes, etc. Or, toute institution qui naît, M. Kibambi, doit servir à quelque chose. Servir à quelque chose dans le sens de mettre l'homme au devant de la scène de manière que l'homme soit utile dans la transformation de son environnement. Alors maintenant, si il n'y a pas un package en termes d'orientation, en termes de boussole, pour savoir qu'à 50 ans, à 100 ans, voilà ce que nous attendons devenir, et que je demande toutes les chaînes privées, toutes les radios, etc., de travailler dans le sens d'avoir un Congolais qui soit capable d'assumer ses responsabilités. Là, ça pose problème, mais c'est le déficit du leadership. Et ça, c'est très important, et ça a beaucoup joué au point où bon, tout un chacun va à l'université, tout un chacun dispose d'un diplôme, encore que l'on acquiert avec facilité. Oui, allons vers cette université. Effectivement, ça commence à devenir presque un défaut. Tout le monde voudrait avoir un diplôme universitaire. Alors que l'université est en train de produire des chômeurs. Est-ce que nous rendons pas compte de l'importance des écoles techniques ? Aujourd'hui, nous l'avons dit dans une autre émission, on peut construire, nous avons des architectes, on en est fiers, qui peuvent construire, qui peuvent aider à construire des immeubles très bien. Mais pour la finition, c'est devenu courant aujourd'hui. On va prendre les spécialistes en Égypte. Mais c'est malheureux. Pourquoi ne pas encourager les jeunes gens à aller vers ces écoles, les écoles techniques? Mais c'est qui m'a mis la question de l'école.
C'est une question très questionnante. Je me souviens, une question qui pose toujours des questions, simplement parce qu'on n'a pas encore posé la question pertinente. La performance, par exemple, d'un enseignement ici chez nous, peut-être qu'on a proclamé à temps, on dit non, c'est mieux, c'est performant. Voilà, ça devient l'indicateur de performance. Mais c'est poser la question sur l'utilité des hommes qui sont formés, sur les besoins qui sont les nôtres et qui y ait compatibilité avec les hommes que nous formons, etc. Ça pose problème. Ah oui, ça. Ça pose problème et ce n'est pas le leitmotiv, ce n'est pas véritablement la vocation de nos institutions. Mais et là, ça redresse un défi. Un défi à partir de l'enseignement primaire, enseignement secondaire, université. Pourquoi pas des institutions techniques et professionnelles dont on a besoin. Regardez l'Inde. Monsieur Kimambi, j'étais en 2006. J'ai vu le nombre de pauvres dans la rue. Ni de lit. J'ai dit, mais nous au moins, nous sommes bien. Dernièrement, j'étais en 2012. Quelle performance! Le nombre d'ingénieurs. Le nombre d'ingénieurs, M. Kibambi, c'est le plus grand nombre d'ingénieurs qui puissent exister dans le monde. Absolument. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais non, il faut mettre en exergue nos plantes qui ont de vertus médicales, etc. Ils ont pris la décision. Ça, c'est la politique gouvernementale. On ne peut prendre un ministre de la santé que quelqu'un qui est un guérisseur traditionnel, qui connaît nos failles, pour le valoriser, vous allez compte. Mais vous, l'université, votre rôle, c'est de nous créer des technologies, n'est-ce pas, des processus qui nous permettent de transformer ce que nous avons comme plante, moderniser ça, théoriser ça. On se donne comme obligation de créer une filière, une chaîne de valeur ajoutée, et à chaque niveau d'atterrissage, on essaie d'améliorer. Mais on a un soubassement. Mais nos universitaires sont des abrutis fondationnels. Parce que, croyez-moi, M. Kibambi, nous avons deux pieds sur terre. Nous n'avons pas des pieds sur terre. Nous sommes comme un arbre baobab qui n'a pas de racines, on tombe. On est en train de crier Covid, etc. On a des médecins. Expérimentez un peu. Lorsqu'il y a un cas de maladie qui n'a pas été enseigné à la colline, on n'est pas capable. Donc il n'y a pas un génie propre qui soit capable. Et vous parlez de l'Inde que vous avez visité. Moi, j'ai visité l'Inde en 1983. Oui. Ah. 83, c'était la catastrophe. C'était l'enfer. Vraiment. Quand je suis allé en 2010, mais les pauvres ont sensiblement diminué. L'Inde sentait mauvais. C'est ça. Dans les rues. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, vous l'avez dit, effectivement, il y a des ingénieurs. Mais c'est parce que c'est une société soudée. Moi, je pense que l'objectif de cette émission, c'est pour quand même amener les parents à discuter aussi entre eux. L'enfant va aller à l'école pour faire quoi? Tu as choisi quoi? Pour être médecin. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous qui sommes déjà âgés, nous sommes en train de préparer un avenir malheureux. Ceux qui seront nos médecins ne nous soigneront pas, mais ils faciliteront notre mort. C'est tout à fait, c'est comme ça que vous voyez, vous êtes médecin ici, vous allez en Belgique, on ne vous considère pas comme un médecin. Et puis, autre chose, M. Kibambi, si on peut faire la priorité de priorité, même pour avoir des entrepreneurs, même pour avoir des hommes haïtiens. Ce serait laquelle la priorité? Mais c'est l'éducation. L'éducation coloniale, M. Kibambi, a fabriqué des hommes divorcés de leur société. Des hommes qui n'étaient appelés essentiellement qu'à être au service des puissances, d'argent. Mais nous étions au même niveau que la Corée du Sud, Taïwan, Yukon, etc. Ils ont fait quoi? Ils ont fait leur état généraux. Ils ont jeté l'enseignement colonial. Ils ont mis en place des programmes adaptés à leurs besoins. Il dit, écoutez, nous avons besoin de qui? Bon, nous avons besoin de construire des maisons. Alors, on a besoin des maçons. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin, c'est pas des charpentiers. On fabrique des fonds. Nous avons besoin, écoutez, pour des gens qui peuvent nous fabriquer des bateaux.
On a mis ça aujourd'hui. 52 000 dollars par habitant par an pour un Singapourien. Ah oui. Quatre fois l'économie sud-africaine. Vous imaginez? Aujourd'hui, la Corée du Sud, qui était avec nous en 1960, 268 dollars par habitant par an. Nous, on était à 368. La Corée du Sud a 1 milliards, 1300 milliards de dollars de produits intérieurs. Nous sommes essentiellement à 50. D'ailleurs, c'est une moyenne, 50 milliards. Vous imaginez? Et donc, quand on n'a pas, M. Kimbambi, des hommes et des femmes qui sont préoccupés par l'avenir de leur environnement, qui voyagent dans les temps, qui sait observer les autres, qui savent articuler ce qu'ils ont observé dans les différentes politiques de la République. C'est difficile. On peut avoir même un Jésus-Christ à la tête ou dans les institutions de la République. Tant qu'on n'aura pas identifié la question de l'éducation, la remise en question, c'est pas des religions qui nous ont imbécilisés, infantilisés. Si on ne met pas en question le système politique admis, cette démocratie dont on parle, qui est fondamentalement une valeur occidentale, qui s'est déclarée, autodéclarée, un idéal civilisationnel. Si on ne remet pas en question le contenu de ce que devraient faire les médias, encore que nos autorités, nos opérateurs économiques aiment utiliser les médias occidentaux, les médias d'ailleurs, pas nos médias à nous, et ils disent non, c'est là qu'il y a de l'audience. Mais comment faire en sorte que ces médias qui ont de l'audience, parce qu'on leur donne des moyens, pourquoi ne pas donner des moyens à un homme professionnel? On a toujours dit, mais si un homme comme Kimbambi Chitoa pouvait avoir des moyens, mais écoutez, on fonctionnerait comme CNN, on fonctionnerait comme BBC, on ne manque pas. Vous avez été très performant, par exemple, dans RFI ici. Ce n'est pas un Français qui était représentant ici. Vous voyez, donc, tout ça, ce sont des questions qui doivent stimuler les hommes politiques à se remettre en question et avoir véritablement des prix. Mais quand on met en place des écoles maçonniques pour recruter les uns les autres sous base d'une solidarité que je considère comme du fantasme catastrophiste, et puis bon, on est dans le bain de différentes institutions internationales qui ont des vocations bien connues et qui n'ont jamais développé aucun pays, etc. On est là dans cette situation-là. D'accord. Donc, chez nous, et je termine par là, identifions des hommes et des femmes qui ont excellé et qui peuvent devenir véritablement des éléments de référence, même si, n'est-ce pas, des hommes qui excellent chez nous, son console doivent être nivelés par le bas. Parce qu'on n'aime pas les hommes qui excellent. Et j'ai été dernièrement, je me disais que le Congo est en train véritablement de ne pas bouger. Mais j'arrive à Kolwezi, j'étais à Kasaji, j'étais à Kongolo, je me dis, mais waouh! Mais quand même, si on a un minimum de volonté, on peut faire quelque chose. Et coup de chapeau au gouverneur Moyes, même si j'apprends des problèmes. Je comprends que, franchement, cet homme-là, s'il voulait s'enrichir, Kolwezi ne serait pas comme ça, et toutes ces... Non, il ne faudrait pas que je singularise les débats, mais je me dis que profitons de nos hommes qui excellent, profitons, nous ne devons pas les niveler, sinon nous risquons de disparaître. Le monde est dans un processus de recolonisation, on est en train de chercher des espaces géographiques, il faut réintroduire une nouvelle forme de colonisation. Et alors maintenant, il faut avoir des hommes-lumière qui, dans les différentes entités, en train d'émerger, en train d'orienter et en train de booster. Cette congruence des efforts, cette mutualisation va booster le pays et ça va relever le défi merci, de la pauvreté. Merci, monsieur Norbert Yabayama. Vous savez, si je vous laisse le micro, vous allez non seulement le crever, et puis, franchement, je vous remercie. Merci. Je vous retrouverai en Lingala la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.